Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 28e. Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss et Martin, etc. Pardon encore une fois, dit Candide au baron, pardon mon révérend père de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. N'en parlons plus. Dit le baron, je fus un peu trop vif, je l'avoue. Mais puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez vu aux galères, je vous dirai qu'après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collège, je fus attaqué et enlevé par un parti espagnol. On me mit en prison à Buenos Aires dans le temps que ma sœur venait d'en partir. Je demandai à retourner à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour aller servir d'aumônier à Constantinople auprès de monsieur l'ambassadeur de France. Il n'y avait pas 8 jours que j'étais entré en fonction quand je trouvai sur le soir un jeune icoglant très bien fait. Il faisait fort chaud. Le jeune homme voulut se baigner. Je pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que ce fût un crime capital pour un chrétien d'être trouvé tout nu avec un jeune musulman. Un cadi me fit donner 100 coups de bâton sous la plante des pieds et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu'on ait fait une plus horrible injustice, mais je voudrais bien savoir pourquoi ma sœur est dans la cuisine d'un souverain de Transylvanie réfugié chez les Turcs. « Mais vous, mon cher Pangloss, dit Candide, comment se peut-il que je vous revoie ?»« Il est vrai, dit Pangloss, que vous m'avez vu pendre, je devais naturellement être brûlé. Mais vous vous souvenez qu'il plut à verse lorsqu'on allait me cuire. L'orage fut si violent qu'on désespéra d'allumer le feu. Je fus pendu, parce qu'on ne put mieux faire. Un chirurgien acheta mon corps et m'emporta chez lui et me disséqua. » Il me fit d'abord une incision cruciale, depuis le nombril jusqu'à la clavicule. On ne pouvait pas avoir été plus mal pendu que je l'avais été. L'exécuteur des hautes œuvres de la Sainte Inquisition, lequel était sous-diacre, brûlait à la vérité les gens à merveille. Mais il n'était pas accoutumé à pendre. La corde était mouillée et glissa mal. Elle fut nouée. Enfin, je respirais encore. L'incision cruciale me fit jeter un si grand cri que mon chirurgien tomba à la renverse, et croyant qu'il disséquait le diable, il s'enfuit en mourant de peur et tomba encore sur l'escalier en fuyant. Sa femme accourut au bruit d'un cabinet voisin, elle me vit sur la table étendue avec mon incision cruciale. Elle eut encore plus de peur que son mari, s'enfuit et tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j'entendis la chirurgienne qui disait au chirurgien « Mon bon, de quoi vous avisez-vous de disséquer un hérétique? Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-là? Je vais vite chercher un prêtre pour l'exorciser. » Je frémis à ce propos et je ramassai le peu de force qui me restait pour crier « Ayez pitié de moi !» Enfin, le barbier portugais s'enhardit. Il recousit ma peau, sa femme même eut soin de moi. Je fus sur pied au bout de 15 jours. Le barbier me trouva une condition et me fit laquais d'un chevalier de Malte qui allait à Venise. Mais mon maître n'ayant pas de quoi me payer, je me mis au service d'un marchand vénitien et je le suivis à Constantinople. Un jour, il me prit fantaisie d'entrer dans une mosquée. Il n'y avait qu'un vieux imam et une jeune dévote très jolie qui disait ses paténotres. Sa gorge était toute découverte, elle avait entre ses deux tétons un bouquet de tulipes, de roses, d'anémones, de renoncules, de d'hyacinthes et d'oreilles d'ours. Elle laissa tomber son bouquet, je le ramassai et je lui remis avec un empressement très respectueux. Je fus si longtemps à le lui remettre que l'imam se mit en colère et voyant que j'étais chrétien, il cria à l'aide. On me mena chez le cadi qui me fit donner 100 coups de latte sur la plante des pieds et m'envoya aux galères. Je fus enchaîné précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Il y avait dans cette galère 4 jeunes gens de Marseille, 5 prêtres napolitains et 2 moines de Corfou qui nous dirent que des pareilles aventures
arrivait tous les jours. Monsieur le baron prétendait qu'il avait essuyé une plus grande injustice que moi. Je prétendais, moi, qu'il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d'une femme que d'être tout nu avec un icoglan. Nous disputions sans cesse et nous recevions 20 coups de nerfs de bœuf par jour, lorsque l'enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère et que vous nous avez racheté. Eh bien, mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups et que vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss, car enfin, je suis philosophe. Il ne me convient pas de me dédire. Leibniz ne pouvant pas avoir tort, et l'harmonie préétablie étant d'ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile. Fin du chapitre 28e. Bonne journée. À demain.